Good morgen, Aleid, et ce sera aujourd'hui le Lonishmat, David Benford, Mazal Fritna, Dvorah Bat Esther et Lucienne Bat Raina. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Nedarim, Perek Zayin, Mishnah Gemel. Anoder Minaksut, Mutar Basak, Biri'a, Uvachamila. Amar Konam Tzemer Ole Alay, Mutar Litkasot, Begizei Tzemer. Pishtan Ole Alay, Mutar Litkasot, Banitse Pishtan. Rabbi Yehuda Omer Hakol lefi anoder. Ta'an veiziya v'aya recho kashe. Amar konam tzemer pishtim olim alay, mutar litkasot, v'asur lehafshil leachorav. On continue avec le sujet de savoir qu'est-ce qu'il inclut dans une personne qui prononce un neder dans une certaine situation, comme ça va être explicite dans la suite de la Mishnah encore plus fortement. Dans une certaine situation, il prononce un neder, il se fâche sur un ensemble. Qu'est-ce qu'on inclut dans cet ensemble? Avec à présent un nouveau domaine, on a fini avec la nourriture, maintenant on va s'intéresser à présent, pour le moment, le ksout, le vêtement. Anoder mina ksout, je fais le neder, je ne vais plus mettre un vêtement. J'en ai mis un vêtement qui est là à cause de ça, ça l'a donné trop chaud. Il a fait le neder, il a juré qu'il ne va pas mettre de vêtements pendant 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire un vêtement? Donc du coup, alors la question, c'est maintenant, avec quoi il va se couvrir? Il ne peut plus rien mettre. Alors la Mishnah va me dire, bah, tu saches que Moutar Bassak, il a le droit de mettre une sorte de vêtement qui était en sac. Alors sac, faut savoir, c'est pas un sac en français. Mais c'est plutôt des vêtements qui tricotaient à l'époque avec des poils de chèvre. Avec du séar. Ouais, ça sort comme les sacs de pommes de terre de l'époque, qui étaient avec des fils très épais. Comme ça, je ne sais pas si c'était fait spécialement en poils, mais en tout cas, là, c'est fait avec des poils, ça peut être des poils de cheval, ça peut être, en général, c'est plutôt des poils de chèvre, comme on a dit. Et ça fabrique un vêtement très épais. D'ailleurs, initialement, les endeuillés, ou lorsqu'on voulait faire des tefilotes, parce qu'il y avait la pluie qui ne tombait pas, alors on mettait des begdés sacs. Sac va faire yutsal arabim, c'est dit dans la Megillat Esther. Quand ils ont voulu faire les tefilotes là-bas à l'époque de Mordechai, sac va faire yutsal adamir, ils ont tous mis des habits de sac. C'est des vêtements très zol, qui sont même pas qualifiés en fait en guise de vêtements. D'accord? Et aussi, il a le droit de mettre aussi une yeria, il a le droit de se couvrir avec une yeria, avec une bande de tissu, yeria tizim, comme il y a marqué. Une iria, une bande qui n'est pas découpée en forme de vêtement, ou va chamila. Chamila, alors, joker. C'est pas expliqué tellement. C'est rapporté, bon, c'est quelque chose de très épais, mais massar, c'est une sorte de. Je sais pas, massar, je sais pas ce que ça veut dire. C'est un vêtement, une mechitsa, apparemment, je sais pas exactement. Peut-être qu'après réflexion, finalement, peut-être ce qu'on appelle un rideau. Je suppose que c'est à peu près ça, en tout cas. Et Veyatzal Nadam Betachlit Aovi, rapporte le Tosot Yom Tov, c'est un vêtement très épais. En tout cas, c'est pas quelque chose c'est un tissu très épais, donc c'est pas quelque chose avec lequel on se couvre normalement. Donc tu t'interdis les vêtements, tu peux utiliser ces choses-là, d'accord? À part ça, Amar Konam Tsemer Alay, il avait. Je fais le neder que je ne vais plus mettre de laine sur moi. Alors, Motar Let Kassot Begizet Tsemer, il a malgré tout le droit de mettre des guisés Tsemer, des pelotes de laine. Imaginez, il a pris sur lui, il a pris un coup de nerf. Contre la laine, je sais pas pourquoi, ça sentait trop le mouton, ou peu importe, il a pris un coup de nerf qui veut plus mettre de vêtements de laine. Il a prononcé un éder qui veut plus mettre de la laine. Maintenant, le problème, c'est que l'hiver, il arrive, et franchement, le lin, c'est beaucoup trop fin. Comment est-ce qu'il fait? Sur ça, la Michelle va me dire, bah, tu sais quoi, elle a le droit de prendre des pelotes de laine et de se couvrir avec, parce que quand même, il s'interdit la laine, il s'interdit les vêtements de laine. En l'occurrence, il pourra prendre son vêtement et mettre à l'intérieur, par exemple, des pelotes de laine qui vont faire que maintenant ça va le couvrir de la chaleur. Anitse Pishtan, Olé Alay, il s'interdit, je mets plus de lin sur moi. Ouais, alors sur ça, Moutan Alit Kassot, Anitse Pishtan, il aura quand même le droit de se couvrir avec des Anitse Pishtan. Anitse Pishtan, c'est des sortes de. On pourrait traduire des pelotes de lin, mais apparemment ça ne se présentait pas sous forme de pelotes, mais plutôt on apporte aussi. Les fils de l'époque, en fait, ils se présentaient sous plusieurs formes. À part les pelotes, comme ce qu'on fait nous aujourd'hui, il y avait des fois des choses qui se pouvaient ressembler à des langues, les chonotes chez l'argaman. On parle aussi à Nitzepishtan,
Je sais pas exactement comment ça se présente le lin, quoi, mais en tout cas, ça se présente. Ouais, c'est sûrement en fait. Ouais, j'imagine que c'est comme dans la souka, dans les Keynes, quand on achète la souka, on trouve des fois des sortes de pelotes de lin comme ça. Ah, à l'époque aussi, les plombiers, ils utilisaient ça aussi en tant que pour bien isoler les tuyaux quand ils les emboîtaient. Ils utilisent aussi du pichetade. Comme alors, il y avait aussi fréquemment, on voyait ça chez les trogues avant qu'il y ait la génération du plastique tellement développée. On enveloppait le hétrog comme ça avec une laine de. C'était de la laine de lin, si je ne me trompe pas. D'accord? C'est quelque chose de très épais, comme ça, qui amortit. Et donc, ça s'appelle Danitze Pishtan. On continue maintenant la suite de Mishnah, qui va me dire Rabbi Oda Omer, Rabbi Oda me dit non, à Kol Lefi Anoder, tout dépend de la personne qui prononce le Neder, quelle est son intention, qu'est-ce qu'il veut, dans quelle situation il prononce son Neder. Parce que par exemple, Ta'an Vezir, ça va s'intéresser à la question, est-ce que je me suis interdit la laine? J'ai interdit les vêtements de laine ou je me suis interdit les pelotes de laine? Alors la Mishnah va me dire, ben, ça dépend dans quelle situation on a prononcé le Neder. Par exemple, Ta'an Vezir, il était en train de porter des pelotes de laine et il s'est mis à transpirer. Va y avoir un récho caché jusqu'à qu'il a une odeur de transpiration mélangée avec les odeurs de mouton de la laine. Atroce. Les gens se sont moqués de lui, il a dit. Konam tsemer, je prends plus du tsemer sur moi, je touche plus au tsemer, voilà ce qu'il a dit. Amar, je m'interdis le tsemer, puis pishtim, je prends plus jamais de tsemer qui va monter sur moi. Ou bien du pishtim, olinalay, je crois que le pishtim aussi d'ailleurs, je crois que ça dégage des odeurs. Alors la Mishnah nous dit, si il prononce un neder dans une situation de minute, face à qui il a pris son coup de colère? Aux pelotes de laine. Donc dans un cas pareil, il s'interdit les pelotes de laine, mais pas les vêtements de laine. Et idem pour le pishtan de le lin, que moutar lit kassot, il aura dans ce cas-là le droit de se couvrir avec eux. Par contre, il sera ve'asur lafshil le'achorav. Il n'aura par contre pas le droit de les porter, sur les épaules. Là, ça, il sera interdit de le faire. Mais par contre, se couvrir avec eux, il aura le droit de le faire. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha. Kol tov, selah.